c'est la première étape. Je fais beaucoup de photos de points de vue différents et après je vais recadrer pour essayer de trouver un cadrage qui va me plaire pour après faire mon tableau. C'est toujours des sujets en référence avec l'industrie. Très souvent, oui. Très souvent, oui, industrie, patrimoine. Chaque grue a un numéro, là par exemple c'est 762, le 76 c'est l'année de la construction de la grue, 1976. Donc ici, c'est la galerie. Là, une petite galerie qui s'est ouverte pour pouvoir montrer mon travail. Parce que souvent, entre deux expos, tout mon travail était rangé. Même si j'y suis pas souvent, il y a deux grandes vitrines. Donc les gens passent et peuvent regarder de l'extérieur. Donc moi, c'est ce que j'aime partager, ce que je fais. De Calais qui sont normalement bleus et jaunes et je l'ai travaillé que en noir et blanc et j'ai gardé que le jaune. Là c'est une grue d'Anvers, donc le tableau il fait 1m20 sur 1m60. Et là c'est un ferry, donc c'est pas un 6 francs, c'est un piano, parce que les pianos ils prenaient les piétons. Donc j'étais faire une série sur le pont. Donc travailler en noir et blanc et j'ai gardé que le rouge. Et ce tableau-là a été présenté au Salon de la Marine l'année dernière. Et j'ai eu les félicitations du jury. Il y a le dessin en dessous. Hein. C'est ça, oui. Tout a été dessiné avant sur la toile. Parce que c'est pas une peinture gestuelle, c'est plutôt une peinture plutôt de précision. Donc tout est vraiment dessiné au millimètre près. Donc là, c'est un travail particulier. Oui, là, c'est une commande pour la fondation Colas. Une fondation qui sélectionne une dizaine d'artistes par an pour après acquérir la toile pour mettre dans leur fondation d'art contemporain. Et le thème, c'est la route. Donc j'ai été prendre en photo quelques machines et j'ai sélectionné cette machine-là. Elle s'appelle une Pata. À la base, quand j'étais partie sur le chantier qui faisait une route sur Berck, j'étais pas du tout partie pour prendre en photo cette machine-là. Je suis tombée amoureuse. Un coup de cœur de ce mélange de pièces, de pneus, je trouvais ça assez sympa, la composition. C'est vraiment important le coup de cœur et le déclic pour pouvoir réaliser la toile. Parce que je passe tellement de temps sur ma toile que si je prends pas de plaisir, c'est pas possible. C'est un recadrage de la machine, on ne voit pas la machine entière comme souvent dans mes toiles. Moi j'aime bien laisser après l'imagination aux gens. Donc, c'est à chaque fois des rencontres qui font que j'accède à des nouveaux sujets. Parce que par exemple là pour cette toile-là, bon, j'ai dû demander l'autorisation soit pour aller sur le chantier,
le bateau d'Alcatel, j'ai dû demander aussi une autorisation pour pouvoir aller sur le bateau. Dans l'usine que j'ai eu la chance de visiter à Gravelines, ben c'est pareil, c'est que des invitations qui font que j'avance dans mon travail. Mm-hmm. Ça, c'est sympa, puis partager la passion avec d'autres personnes. Et là, c'est un grand format, 1m50 sur 1m50. C'est un des plus grands formats que j'ai réalisé. Chaque tableau me rappelle un souvenir, un moment. J'ai commencé par les usines en friche. Et c'est là où après m'est venue ma démarche vraiment très industrielle. Depuis donc 2006 à peu près. Justement, tous ces sujets, c'est aussi un patrimoine qui disparaît. En général, je pense aux bâtiments en friche. Oui, il y en a de moins en moins. Métiers divers. Les grues, il y en a certaines qui disparaissent. D'autres, là, on a appris, sont en restauration. Mais c'est vrai que c'est aussi des souvenirs d'enfance. Par exemple, pour les grues, quand j'étais petite, on jouait dessus. C'était autorisé. Mais c'est vrai, c'est beaucoup de patrimoine. Hein. C'est beaucoup de choses typiques d'ici. Quand je voyage, tout ça, maintenant, on est attiré par les parties portuaires ou les parties un peu industrielles. Je sais pas pourquoi.